Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon jeudi. J'espère que mon stream fonctionne. J'ai le retour. Oui, j'ai le retour formidable. Bonsoir, l'inductivité cognitive. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. On est jeudi. Et donc, nous sommes sur Starfield. On va continuer un petit peu le jeu. Je vais vous faire vite fait une étape d'avancée de la base. Enfin, bref, un bilan d'étape. Et puis on a un truc, j'ai un truc vite fait à reconstruire que j'ai cassé en le déplaçant. On va faire ça vite fait en début de soirée. Ensuite, on ira faire la mission d'infiltration de la flotte écarlate. Vous voyez, j'ai construit des fameux mannequins là pour me faire ma petite collection de tenues que je trouve un peu cool. Alors le problème, c'est qu'on est limité à 6 au total dans le jeu. Donc j'ai les 5 qui sont là, plus ma tenue d'agence. Ma tenue d'agent de Ryukin qui est là-bas derrière, on la voit là-bas au fond. Donc voilà, on est limité à 6, c'est un peu dommage, mais j'ai des tenues cool entre celle du garde, celle du capitaine, celle-ci que je trouve trop stylée, celle-ci je sais plus ce que c'est, et celle-ci qui était la mission du gang de Neon City, crois. Et bonsoir, Benoît. Je suis en train de progresser tranquillement. Hein. Je fais mes constructions à droite à gauche et ma déco surtout. Juste dire du coup que j'ai bien avancé sur les étapes jardinage là. Sur mon personnage a un hobby, c'est le jardinage. Donc il est fan de plantes et il fait du jardinage machin. Et accessoirement, il y a des vases aussi. Pardon. Et accessoirement, il est aussi explorateur, un peu à Indiana Jones, donc il récupère des artefacts. C'est le cas de le dire. Et des décos. Alors, il en vole beaucoup. C'est normal, c'est Indiana Jones. Il en vole un peu partout dans la galaxie. Et du coup, ensuite, il les expose. Toute sa connaissance, toutes ses ressources. Comment on dit? Toutes ses découvertes. Et les masques sont trop cool. Et d'ailleurs, je crois que dans les décos, je vérifie tout de suite, mais je crois qu'on a un truc qui sert de présentoir. Dans la déco. Déco. J'en ai beaucoup, hein. Sculpture en métal, sculpture, statue. Y a pas un truc qui s'appelle piédestal. Voilà, c'est ça. Il y en a combien? Il y en a 7 différents. Genre le carré était bien. Ça, c'est un peu haut. Ça, c'est pas mal. Si je pouvais utiliser ça. Alors, je vais dire merci. Hein. J'ai plus le pseudo. Bonsoir, Oliver. Je vais dire merci, j'ai plus le pseudo de la personne, mais quelqu'un m'a fait la remarque que en fait dans les paramètres, on peut régler la vitesse de rotation. Et effectivement, ça aide vachement. Je vais juste le poser. Je vais le poser par là, tiens, en attendant. Juste. Est-ce qu'on le centre à peu près? Oui, ce serait pas mal. On va le poser là. Voilà. Et on va mettre le masque dessus. En mode stylé. Donc voilà, donc j'ai ralenti au maximum la rotation pour avoir un truc un peu plus précis. Voilà. Parfait. Parfait. Très bien. Je l'ai volé dans une boutique, je sais plus laquelle. Je ne sais plus. Bref, on va aller réparer ça là. Ici. Juste là. Parce qu'en fait, il est cassé. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais il est cassé. Donc faut que je le refasse vite fait. Et ensuite, flotte écarlate. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis de très bonne humeur. Content d'être sur Starfield en stream. Et puis voilà, j'ai enfin le stand de cuisine, mais alors pour l'instant je suis un peu à la ramasse. Il est où? J'ai le stand de. J'ai le truc de cuisine, mais pour l'instant je suis un peu pas sûr de moi. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. On passe par là. Alors, hop. Dans les aménagements que j'ai fait là, il y a ici même. Attendez, hop. On se trompe pas. J'ai déplacé en fait ma plateforme intersystème, elle était là. Sauf que en fait, j'ai eu besoin de mettre des escaliers pour accéder à tous les niveaux de coffre. Donc j'ai mis ce qui nous sert de sas à la base. Je m'en suis servi d'escalier pour pouvoir accéder à tous les niveaux. Donc j'ai accès aux 3 niveaux, rez-de-chaussée, machin, intermédiaire, en fonction des ressources que je recherche. Et je me suis fait un petit rappel de ressources ici. Donc quand je cherche des trucs, je cherche d'abord là. Dans ces coffres-là qui correspondent à ces colonnes-là, hein, forcément. Je cherche d'abord dans ces petits coffres-là et ensuite, si je trouve pas mon affaire, je peux monter à l'escalier et aller chercher les coffres jusqu'en haut. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait et on va aller réparer ce que j'ai cassé. J'aime vraiment beaucoup le look du jeu, hein, je vous le dis.
J'ai un peu avancé les quêtes, du coup on a lancé la quête d'infiltration. Alors je vous raconte ma vie, mais en fait, j'ai volé un truc. Je suis arrivé dans un système, je me suis fait scanner en arrivant dans le système, forcément. Et là, drame, je me fais mettre en prison. Moralité en prison, il me dit, bon, maintenant t'as deux choix. C'est le SysDec qui me dit ça, donc c'est le système de la police de l'UC. Et coucou, Prince Nécrom. C'est la police de l'UC qui me dit ça. Elle me dit, bah, t'as deux solutions. Soit tu payes, soit tu restes en prison, soit tu nous donnes un coup de main. J'ai dit, bah, vas-y, file un coup de main. Et du coup, ils m'ont embauché pour infiltrer la flotte écarlate. Alors, je démonte ça complètement. Par contre, pourquoi j'ai trois connexions là-dessus? J'en ai une là, c'est normal. J'en ai une en sortie, mais pourquoi j'ai une connexion d'entrée? Logiquement, non. Va le faire. Ça va le faire. On le démonte. Voilà. Et on le remonte. C'est où? Je vous explique après à quoi ça sert. Structure, artisanat, divers. Il est où le divers? Beaucoup trop de trucs dans le jeu. Divers. Voilà. Liaison intersystème, qui, comme son nom l'indique, permettent de faire des liaisons commerciales. Enfin, des liaisons de transport entre les systèmes. Alors, est-ce que je me mets. Ouais, je vais me mettre à bord, on s'en fout. J'accède jamais à celui-là. Pour l'instant. Enfin, on va pas se mettre à bord directement. On va se mettre là. Ok. On va se mettre là. Hop là. Cool. Donc là, il est plus cassé. J'avais des. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Il y avait des échafaudages qui étaient pétés. Bref. Il faut l'alimenter en carburant et réceptionner les ressources. Donc, réceptionner les ressources. On part de là et on l'emmène ici sur le dispatcher. On se trompe pas, sur le dispatcher j'ai un coffre devant. Voilà, sur le dispatcher. Et il faut que j'alimente en carburant. Ça c'est celui-là. Peux le faire en mode survol. Là, ça va plus vite. Voilà, et normalement, mes connexions sont bonnes. Il n'y a pas de connexion sortante, c'est normal. Il n'y a pas de connexion entrante, c'est normal, parce qu'on réceptionne la marchandise et le carburant est alimenté. Normalement, ça devrait réactiver le truc. Je vais juste attendre d'avoir un atterrissage et après on est bon. Et bonsoir, Eric. Bonsoir, Montblanc. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc celui-là, en fait, sert de liaison entre les systèmes. Si je vous montre sur la carte, j'ai une, deux, trois bases dans ce système-là. Donc j'ai un système de cargo qui fait un, qui vient. Alors il récupère de la ressource ici. Il vient chercher de la ressource ici. Et ensuite il livre tout sur ma base principale, celle que vous connaissez. Et à côté de ça, j'ai un. Ça doit être de celui-là. C'est sur celui-là ou c'est sur l'autre? J'ai une base ici et j'ai une base là-haut. Là-haut, voilà. Celle-ci me sert à. Ça doit être le. Qu'est-ce qu'elle ramasse celle-là? Très bonne question. J'ai mis un nom, j'ai pas mis de nom. Ça se trouve, elle ramasse plus rien celle-là. Elle ramasse quoi celle-là? Tiens, on va aller voir vite fait. On va aller voir vite fait avant de partir sur la flotte écarlate. Sur une planète qu'on connaît pas. Plus. Elle ramasse quoi celle-là? Ouais, c'est ça, j'ai pas de transport sur celle-là. Ah oui, je le fais à la mano. Exact. C'est du titane. Eh bah tiens, vas-y. Du coup, faut que je suis trop chargé, donc faut que j'aille dans mon vaisseau, qui est loin. Bon, comment allez-vous en ce jeudi soir? J'ai up un peu mon jetpack, j'ai pris celui qu'on avait looté sur Mantis. Enfin, celui de Mantis, et je l'ai amélioré en. J'ai mis quel trait? Pardon, c'est pas là. J'ai mis résistance aux dégâts, je crois. Je lui ai mis quoi? Non, j'ai mis réserve d'oxygène dessus. Réserve d'oxygène. Hop. M'épuiser un peu moins vite, mais bon, je m'épuise quand même, hein, mais. Quand tu marches. La recherche en oxygène se fait. Voilà la bonne nouvelle.
Et bonsoir Gorzak. Bonsoir le chef logistique chez Amazon SpaceX. Faux FedEx. Oui, c'est ça. Exactement ça. Par contre, notre perso, il regarde pas en face depuis le dernier pad. J'ai pas compris pourquoi il regarde un autre truc, tu vois. Puis après, il se réveille. Je sais pas. Il a un problème de cervical, peut-être. À savoir. Allez, fais un effort. Genre, genre, fais un effort, quoi. Perso qui est déter. C'est beau, tous ces détails. C'est beau, cette finesse. Une fois qu'on est dans le vaisseau, on n'aura plus le problème, mais là, je suis un peu chargé. Forcément, je viens de récupérer 300 de titane. Quand tu cours pas trop vite, ça va, hein? Ça passe! Il y a un jetpack. Il y a un jetpack en avant. Apparemment, il y a... On m'en parlait l'autre fois, il y a des astuces, ouais. A priori. Go! Je regarde son ami imaginaire, oui, c'est ça. Après, on va sur Trix, je crois que ça s'appelle comme ça, le système. J'ai toujours pas avancé sur le vaisseau, par contre, je me suis fait des crédits. Et salut Black Templar, comment tu vas? Je me suis fait des crédits pour justement bosser sur mon vaisseau. Ah, il y a des méchants. Attendez. Bonjour. C'est un vaisseau perdu, ça? Pas faux. Ah, par contre, vous me direz si le son est assez fort parce que du coup, j'avais baissé le son pour les gars. C'est encore là ou quoi? Ouais, c'est ça. Désolé pour ça. Quelqu'un ici a tendance à devenir un peu susceptible quand elle adore. Et mon cul, c'est du poulet. Tu vas voir, on va nous dire que c'est tout droit. Ah oui? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu dis de ça, Robin? Je t'avais bien dit que je savais où on était. C'est pas la peine de prendre ton air content de toi. Je vais en entendre parler pendant 20 ans. Level 55. Merci pour votre aide. Allez-y. Je délaisse mon screen, ça m'embête. Ouais, tu reviendras quand tu auras un... Ouais, c'est ça, le son des dialogues est pas assez fort, parce que j'ai baissé le son. Alors, attends. On va remonter. On va faire ça et ça. On entend les dialogues quand même. Bon, du coup, c'est ennemi, mais pas méchant. A priori. On pourrait aborder et voler tout ce qu'il y a dedans, mais on va pas le faire. Attends, vas-y, on va quand même aller voir. Oups, oups, ça touche un peu. Oui, ça touche un peu, quoi. On va aller voir quand même. Avant de partir. Avant de déposer notre titane. Sas, ok. Pression de l'air, ok. Nous sommes amarrés. Ah oui, on est en mode agressif, hein, prenez le contrôle ou quitter le vaisseau. Ben pourquoi? Ils sont où les méchants? Ça c'est la sortie. Ok. Ils sont quoi? Ils sont en perdition? C'est quoi l'idée? Bonjour. Ah, il est mort. Ok. C'était pas celui avec qui je parlais, je pense. Ouh, jolie tenue. Ok, bah il est mort. Je vais pas prendre le vaisseau parce que je vais pas m'encombrer avec là, mais par contre on va se servir. S'il y a des trucs. Il est où le coffre du commandant? Il n'y a rien dedans, quoi. Scandale! Tu mériterais que je détruise ton vaisseau, bordel! Ok, il n'y a rien d'autre.
Nope, et en fait, d'accord, il est mort, mais il y a... Oh, c'est de la contrebande, je vais m'embêter avec. Je vais m'embêter avec, donc on prend. On prend pas la contrebande, ok. Bon, et eh ben on y va. Prends tes affaires, on s'en va. Allez. Hop. Non, pas du tout, Boubou. J'ai pas fini l'histoire principale. Je me pose la question de la finir sur cette save là ou d'en faire une spéciale histoire parce que du coup, je me suis dispersé de ouf. Donc, mais non, je l'ai pas fini pour l'instant. Parfois, j'ai juste envie de désactiver l'astromoteur pour flotter tranquillement. Je suis bien d'accord. Vous avez besoin de quelque chose ? Allez, on s'en va. C'est bon, ils mettent le bouclier en dessous. Grille ouverte, nous sommes libres. Alors, nous on va sur Inda. Hop, qui est là ? Je ramène mon matos et je vérifie que ça fonctionne avant de partir. Voilà, on est bon. Alors je vois que le transporteur n'est pas là. Là il y a le cargo qui s'en va. Nous il faut qu'on vide notre inventaire. Tac, tac, le titane. Ouh. Voilà. Il est déjà parti dans les coffres. Juste regarder comment ça se passe. Et puis au pire je vérifierai plus tard. Ah mais j'ai pas refait la liaison, quel boulet, mais quel boulet. J'ai pas refait la liaison forcément. Mais oui. Mais oui. Activer la liaison. Et là ça va être bon. Normalement. Il va arriver. Il y aura deux tours et tout, on sera bon. Ok, c'est cool. Il m'a semblé l'entendre arriver. Oui. Parfait, et là ça va actualiser les ressources. C'est temps de chargement quand même. Mais non. Hop, donc lui c'est un intersystème. Là il livre du tungstène. C'est ça, et le tungstène, dans le tungstène arrive l'hélium 3. Donc on est bon. Allez, vendu. Donc flotte écarlate. Du passage pour le bonsoir, faisait un bail que je venais pas, No Man's Sky toujours. Oui. Attendez, on récupère le dernier message. No Man's Sky, toujours d'actu, bien sûr, évidemment. Je sais pas vous, mais je crois qu'on aurait pu tomber sur le papier. Évidemment. Alors attends, on va juste vérifier que c'est bien la bonne quête qui est en cours. Sudorov et chercher des preuves. Ça, c'est la version. Ça, c'est la version 6DEC. Et ça, c'est la version. C'est la version Flotte Écarlate. Donc nous, on suit la version Flotte Écarlate pour l'instant. Je suis encore en train de me battre avec la technologie des coffres pour essayer d'avoir un truc viable
avec le en tri. On essaye de faire un truc viable en tri, mais pour l'instant ça passe pas. Oui, bah oui, carrément. Coucou, je suis là. Allez, il est où? Il est là. Ah, je me suis raté carrément. Par contre, j'ai un moteur en plus, on en profite. J'ai pas regardé mes PV. J'ai du tout regardé mes PV, j'ai pris mon temps. Juste une interlude, c'est ça. J'ai pas du tout regardé mes PV en fait, comme un gros boulet. J'ai pas fait gaffe que j'avais pris cher. D'ailleurs, pourquoi j'avais pris cher, mais c'est pas grave. Il retourne. Je sais pas quand est-ce que j'ai sauvegardé, par contre. Bien sauvegardé à quel moment? Parce que je n'ai pas sauvegardé moi-même. Ah oui, tout va bien. La galaxie est trop grande pour rester coincée dans un seul endroit. Bon, par contre, on va essayer d'être concentré, n'est-ce pas? Parce que j'étais absolument pas concentré. J'espère juste un truc. Alors, attendez, je vérifie. Est-ce que c'est bien quand je suis re-rentré? J'ai plus mon titane normalement. Comment ça? Un mon terrain disponible à quel moment? Ah, parce que je suis en animation. Oh! Elle est fort le jeu. 91, c'est bon. Ok, on est bon. Alors. La même, mais sans le décès. F5, c'est la vie dans le jeu. Ouais, bon. Il y en a beaucoup moins bien marché, je suis d'accord. Par contre, ça fait carrément de la vie, hein, les cargos qui font des navettes, là. Donc, tu peux en mettre jusqu'à 3, je crois. Il me semble. Donc, ça fait vraiment de la vie dans le jeu. Enfin, dans ta base. C'est vraiment cool. Allez, on se concentre. Rien ne vaut le retour sur orbite. C'est bon, il n'y a pas de combat, c'est parfait. Donc, on va... Alors, c'est loin. C'est... C'est ça, Krix. J'y vais à poil, j'ai pas rechargé en soins, j'ai pas rechargé en bas, j'ai rechargé en rien. On y va comme ça. Site d'atterrissage dégagé. Et évidemment, on y va avec Vasco, le meilleur d'entre tous. Ma vie est à fond. Hop. Le Razor Leaf, il est plus performant que le vaisseau de base. Ouais, ouais, mais je l'aime bien, moi, mon petit Frontier amélioré. Allez, viens avec moi. On y va. Oui, il y a de la faune ici. Look, zizé. Oh, des crabes dégueulasses. Et gaffe, hein. Il y a un bus. Ok. Il y a donc des crabes. Et pourquoi ma mission elle est pas là sur... Elle est pas sur la planète? The fuck? Elle est où ma mission? Zone d'atterrissage. Ah, c'est le verrou, c'est pas au même endroit. Ok. À côté quoi. XP sur pattes. Puis va à la, on verra après donc, hein, j'ai pas compris. Ok. C'est pas trop tôt. Je vous avais dit que vous perdiez votre temps, Dan. Ah ouais? On verra ça. Et Mathis, c'est moi qui commande ici. Alors garde ton claque-merde fermé. Compris? Très bien. Bon, écoutez, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Nous sommes ici pour dénicher des infos sur l'héritage de Krix. Pas pour dénicher du fric. Quoi que vous trouviez, ne réfléchissez pas, ne soyez pas créatif.
apportez-le-moi directement. Ok. Si simple que même une bleusaille dans ton genre devrait pas foirer. Attendez un peu, pas de fric? Mais comment je suis censé me faire du blé, moi? Oh, ça suffit comme pour ça. Info, tu peux revendre si tes découvertes. Avec la flotte oui, de Carat, tout à fait. Vous devez tout à fait, suivre une règle je confirme. Simple. Pendant une mission, vous faites exactement ce que je vous dis, sans poser de questions. Si c'est pas votre truc, dites-le-moi simplement et je vous enverrai vous glacer le cul sur le caillou sans vaisseau. La mort viendra en quelques heures. C'est donc un langage fleuri. Oh. Encore une chose. Ton acolyte peut nous suivre jusqu'aux portes extérieures de la prison, mais je laisserai personne d'autre que toi aller plus loin. Ok. On a pas mal de distance à couvrir entre la zone d'atterrissage et le verrou, alors mettons-nous en route. Eh ben vas-y, on fait ça. Eh, je cours plus vite que toi anyway, donc Ça c'est un des défauts, mais c'est dans tous les jeux pareil, c'est que tu cours plus vite que les... What the fuck? Ok. Tu cours plus vite que la... On va pas la faire comme ça, on va pas prendre celle-là, on va prendre celle-là. Voilà. Tu cours toujours plus vite que la... Que tes PNJ, et c'est dommage. Où? Allez là, mais bougez-vous le. Sortez vos flingues. Je n'ai pas la moindre chance. Heureusement que je suis là, hein. Ou alors je le joue au silencieux, comme ça pour rire. Alors, on est où? Je commence à me les geler. Ma montre me le dit. C'est là qu'on va? Je pouvais rentrer avant de prendre des engelures. Je pense que c'est trop tard. Les engelures, c'est pour maintenant. Adhésif parce que je passe mon temps à l'acheter. Ah moi il y a du monde. C'est nécessaire, il y a du monde partout. Tu as quelque chose à me dire? Enfin. L'endroit où Jasper Crick devient hors la loi pour constituer l'héritage. Non, c'est de l'infiltration, je suis pour la sécurité. Écarlate. Le verrou. Alors oh, ça me fait un... J'ai des options de dialogue avec mes points de compétences de construction de base. Ouais, et c'est tant mieux. Pas très envie que tout nous tombe sur la gueule. Je suis venu ici plusieurs fois ces dernières années. Tant que nous ne faisons qu'un minimum de dégâts, nous ne devrions pas avoir de problème. Bon, avançons. Ça sert à rien de rester ici. D'accord, j'ai froid. Cette carte d'identification a coûté une petite fortune. Espérons qu'elle... Non, si, je suis vraiment en infiltration pour le 6 deck. C'est ouvert. Entrons. Capitaine. C'est la première fois que je vais dans cette partie du verrou. Faites attention. Ouais, si t'inquiète. Vous voyez, étrange, criez. Si vous voyez un truc étrange. Simple okay. Comme bonjour. Je crie si c'est étrange et je tire si... Je tue si... Je tue si c'est si c'est agressif. Ça fait sens. Pour l'instant, il n'y a rien. Un truc par ici. Non, j'ai pas vu un truc ici. Ah si.
Ah. Ok. Je sais pas si mes compétences sont nécessaires. Ça plus celui-là. Nope. Celui-là. Plus ça. Tu fais ça comment? Là. Ok. Et chargeur augmenté. Oh, joli. Joli ça. Comparé à ma pièce. C'est stylé. Cadence de tir, par contre, il est faible. Et c'est normal parce que je suis pas sur le bon gun. Bon, vas-y, on le prend. On va regarder après. Ah, pardon, excusez-moi. C'est celui-là. Non, il est moins bien. Ok. Là, il y a des modules sur le mien, donc... Il y a des modifications sur le mien. Il est plutôt à l'aise en sécurité. Il y a plein d'options de dialogue avec des compétences, PNJ et Romain. J'avais fait une remarque sur le fait que je faisais de la muscu comme lui. Ah ouais, sérieux? Excellent. Voilà. Est-ce qu'il y a des méchants? Bon, pas que je les souhaite trop vite, mais... Pour l'instant, alors attends, je suis censé explorer pour trouver des pièces là en gros. Il y a des trucs là-bas au fond. Ok. Ah, il y a briefing, je crois. Ça devait être là qu'ils enregistraient les prisonniers avant d'être transférés dans les blocs. Sécuriser la zone. Vous vous imaginez être enfermé comme ça, sous une tonne de glace pour le restant de vos jours? Ouais. C'est quoi ton idée, sécuriser la zone? Attendez, fermez-la. Attendez. Il y a des trucs dégueulasses. Je les entends. Il y en a beaucoup. Ah. Et où? Ah, bordel. Y'a personne qui veut tanker là? C'est dégueulasse. Encore beaucoup? Il y en a encore beaucoup apparemment. On n'a pas une... Hop là. Ok, ça va. Alors fun, je sais pas, mais... Par contre, c'est la fête de l'adhésif, là, c'est cool. J'en avais pas besoin, mais c'est pas grave. On est comment? Ça doit être un nid. Je parie que ces trucs grouillent de partout. Ouais, et leurs potes ont probablement entendu nos coups de feu à des kilomètres à la ronde. Super. Si on, on va prendre le fusil à pompe. On va prendre le fusil à pompe, voir ça si ça le fait bien. J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée de vous en. Après, one shot avec le revolver, ça le fait, hein, mais... Ça ressemble à une sorte de zone de transfert de prisonniers. Mais tout est encore verrouillé. Puisque vous vous entendez si bien, pourquoi Mathis et toi n'iriez-vous pas jusqu'à la salle de contrôle pour essayer d'ouvrir d'autres portes? Ah bah voilà une bonne idée, tiens. J'ai plus énormément de balles, donc on va voir si on l'utilise ou pas. On va voir. Bon, tu sens le moment où il y en a d'autres qui arrivent, hein. On est d'accord. Oh merde. Nous sommes donc enfermés. C'est roche.
sinon. Ah, super, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, trou de balle. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du plan? Regarde la vérité en face. On est tout seul, là. Pourquoi? Parce que ces fidèles petits soldats sont censés faire ça? On laisse tomber tout ça. J'ai un meilleur plan. On va se servir de cette opportunité pour éliminer Delgado et en même temps nous faire un paquet de crédits. Ah! Alors. Parce que moi je suis côté 6 deck, je suis en infiltration et je dois faire tomber la flotte impériale. La flotte un peu impériale. Donc là je pourrais directement profiter du truc pour tuer Delgado, le chef. Mais je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Alors. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Allez, on prend pas parti pour l'instant. Je savais que tu serais ok. Bon, voilà mon plan. Imaginons une seconde que Delgado avait raison et qu'il y a bien des informations sur l'héritage de Krix. Une fois qu'on sera débarrassé de lui, on trouve nous-mêmes ces infos et on les revend à Naeva. Après, ce sera la touche au crédit. Alors, je ne sais pas ce que je réponds. Je te suis pour l'instant. Allez, on fait ça. Tu joues la prudence, hein? Je respecte ça. Mais t'as intérêt à me couvrir quand je me lancerai. Maintenant, faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ok, c'est lui qui me suit. Je pense que... Mes compagnons en attente. Okay. Je pense que, de toute façon, on trahira pas Delgado. Ça me paraît pas raisonnable pour l'instant. Merde, ils sont tous verrouillés en fait. C'est vrai que j'ai des. C'est vrai que j'en ai d'avance, alors lui est pas viable. C'est vrai que j'en ai pour. Ça va que. Enfin, pour l'instant je suis, mais à mon avis. On va le. On va pas trahir Delgado. Enfin, ça me paraît pas raisonnable de le trahir pour l'instant. C'est pas le bon. C'est celui-là. Ouh, 79 crédits. On a cramé un aligneur pour 79 crédits. Il se passe des trucs parfois. C'est quoi ça? Connaissance, le sac, je m'en fiche. Oh, il y a que dalle, quoi. Maison de navigateur. Pas la prendre, je vais pas me surcharger pour l'instant. Il y aura forcément des trucs un peu mieux. Ok, il me follow. Donc... La gueule de la plaque. Il y a un peu de ressources, il y a de la connaissance là. Alors Zouch, qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu me fasses venir ici depuis le bloc A à une heure pareille? J'espère que Krix du bloc. Si je les lis mais je réagis pas. Je vous laisse causer là, il n'y a pas de. Krix croit vraiment pouvoir s'évader du verrou? Pourquoi j'ai pas entendu parler de ça avant? Il en a parlé qu'aux quelques personnes en qui il a confiance. Et il nous a dit de bien garder ça pour nous, sans quoi il nous tranche la gorge. Pourquoi tu me racontes ça, alors? Faut vraiment que je te fasse un dessin. Parce que je tiens à toi, Ricard. Et je veux que tu viennes avec moi. Ça fait des mois qu'on se retrouve dans ce débarras pour... tu sais quoi. Et j'espérais que notre relation irait un peu plus loin que ça. Putain, Zouch. Je savais pas que tu ressentais ça. Fais-moi signe et je... Ah merde, attends! J'ai oublié de couper l'enregistrement. L'enregistrement? Putain, Ricard! On se voit jamais ici aussi tard d'habitude. Je croyais que t'allais me tuer, d'accord? Te tuer? Mais ça va pas. Je t'aime, ok? Fallait vraiment que tu me forces à le dire. Désolé. Laisse-moi juste le temps de couper ce truc et... Je me ferai pardonner, d'accord? C'est ça, Oliver. Ok.
Là, il y a des... C'est quoi? Il y a des trucs, là. Alors... Ah, c'est des pièces détachées. Je me surcharge pas avec des ressources là dans cette mission là, histoire de voir où on... Enfin, parce que je sais pas ce que je vais looter à un moment donné, donc je me charge pas plus que ça. Alors c'est là-bas au fond. Sauf à vraiment trouver des trucs intéressants, mais... On a un mort. Ah, intercom. Oui, tranquille. Bon, enlevez la crasse de vos esgourdes et écoutez-moi. Nous sommes à l'évidence séparés, donc il faut que vous fassiez des trucs pour moi. Tout d'abord, cherchez un moyen d'ouvrir le reste des portes, sinon j'irai nulle part. Ensuite, essayez de trouver ce que vous pouvez sur Jasper Crix. Vous avez compris tous les deux? Ouais. Vous avez intérêt. Et dis à Mathis de ne pas se faire d'idée. Je l'éventrerai moi-même. Yep. Comment font ces choses pour vivre dans un endroit pareil? Ok. Ah. Bah, c'est pas du... Pas forcément un gros intérêt. Non. Alors, par contre, je vais quand même regarder celui-là parce qu'il y avait deux traits. Caisse. Ah oui, non. Non, non, non. J'en veux pas. J'en veux pas. Il y avait deux morts. Il y a une porte de sécu. Un medic kit. Non. Ok. Les portes sont débloquées. Et nous, on va jusqu'au bloc D. Entendu. Ça, c'est quoi? Les détenus doivent être classifiés et envoyés à la zone d'admission suivant. D, c'est unité pour détenus à haut risque. Ok. Donc bah, nous, on va sur les détenus à haut risque et... 5 détenus extrêmement... Jasper Crix, ok, donc il était niveau 5. Il doit être immédiatement transféré au bloc D dès son arrivée et ne procéder à ni fouille ni examen médical standard tant que le détenu ne se trouve pas en lieu sécurisé. Je déconseille vivement que personne ne s'écrit de sous-estimer la capacité de Crix à s'échapper. Ok. Attention, oh, j'ai peur. Verrouillage des issues annulé. Ça m'a fait peur le truc là. Ok, donc nous, bloc D. C'est beaucoup, beaucoup trop calme. C'est, ne connaît pas cette mission et donc chacun son expérience. Yes. Activer l'alimentation auxiliaire du bloc D. Bah oui, faisons ça. Très bonne idée. Pas quelles sont les conséquences, mais... Alors. Faire savoir que nous prenons très au sérieux toutes les plaintes du personnel concernant les températures tolérables de l'intérieur du verrou. Ah, ah, ok, ça caille. Et donc, du coup, les gens n'étaient pas contents. Que certains détenus ont trouvé un moyen de créer des armes improvisées en taillant des morceaux de glace prélevés sur les murs de leurs cellules. Oh, c'est con. Ok. Félicitations à Brian Richard pour avoir remporté le dernier quiz mensuel. Alors, quel type d'étoile pulse rapidement causant des variations de diamètre, de température et de luminosité? Pulsar? Ou appelle-t-on également une étoile à neutrons possédant un champ magnétique extrêmement puissant qui peut avoir... qui peut voir le jour après une supernova? Je ne sais pas. La deuxième étoile la plus brillante dans le ciel nocturne de New Atlantis. Je ne sais pas. Quelles sont les plus grandes structures connues dans l'univers? Comment appelle-t-on le graphique sur lequel la luminosité intrinsèque des étoiles est comparée à leur température? J'en ai pas la moindre idée. C'est quoi ça? C'est des bancs. N'aie pas peur, c'est des bancs. C'est une trappe que je peux ouvrir, ça? Non? Ah, je peux pas l'ouvrir. Tour de garde. Ah oui, bien vu. Entrée dans la tour de garde. Ok. Oui, c'est par là.
J'y vais, mais j'ai peur. Ah, j'ai vu une ombre dégueulasse. Que je mettrai plus jamais de glaçons dans mon verre. Ok. Ça va. Ah. C'est dégueulasse. Je voudrais looter, s'il vous plaît. Ok, merci. Bien, parce qu'il y a tout qui s'allume, mais en fait... Mais en fait, après, je les vois pas. La tour de garde, elle est où? Là-bas en face. Ah, il y en a partout, en fait. Ouais, ok. On l'avait déjà, celui-là. Celle-là, elle est... Et on y va quand même. Hop. C'est pas... C'est ça, et... Aucun. Ok. Celui-là, plus celui-là. Il est mouru. Le comte de Monte Cristo, est-ce que je l'ai celui-là? Tiens, bonne question. À vérifier. À vérifier. Alors. Oups. Ouh, pardon. J'ai pas vu qu'il y avait un truc derrière. Par contre, là, dans les salles, il y a des aligneurs là-bas derrière. Ok. Je sais pas s'il faut que je les ouvre toutes parce qu'elles sont toutes verrouillées mine de rien. Après au milieu de tout ça il y a bien un truc intéressant non? Ouais il est pas évident celui-là. Non. Ah. Plus le 2 plus 1 c'est celui-là. Ok. Ok et c'est un... Celui-là. Munitions, aligneur, aligneur, munitions et un gun qui m'intéresse pas. Ok. Elle est où la tour? Alors le problème c'est que là il va falloir commencer à avoir le sens de l'orientation. Berk. Tellement pas serein avec ces saloperies. Regarde par là. Essayez pas d'aggro la map, Joe, c'est à l'autre bout de la map. Oh, ils sont mauvais ces PNJ, ils sont mauvais. Ah purée. Là, ils ont tout mis en verrou quoi. Du coup, tu sais pas ce que tu lootes, c'est ça le truc. Celui-là est pas mal. Et 2 plus 1, celui-là. Ok. Valide. Il est en train de les aggro depuis le bout de la map, vraiment? Ah, lol. Attends, on va le faire autrement. Oh, s'il te plaît! Ok, j'ai toujours pas changé comment dire, culasse de mon arme là. On vient d'où nous?
Il va paraître perdu. On va là en face. Et okay. Un truc là-haut. Hop, nope. Attends, hop, et où? Saleté. Sinon vous, ça va? Je déteste tout ce qui est, toutes ces bestioles-là. Il y a Blind Vader qui est au cinéma, qui est en train de regarder The Creator. Mais il a bien raison. Parce que bon, les araignées, tout ça. Ok. C'est un énorme labyrinthe, ce truc-là, en fait. D'urgence, merci bien. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Ah ben on va là. Alors les deux armes, je vais les reposer. Ok. Ça, on veut pas. Réfléchi à ce que j'avais dit. Ouais, j'ai réfléchi. Ah ouais, dommage, parce que c'est ce qu'on fait. Alors oui, c'est sorti là. Ouais, ça marche, Boubou, bonne soirée à toi. Quoi qu'étaient ces trucs, ils l'ont probablement déjà réduit en charpie. Ils ont fait le sale boulot pour nous. Mais si c'est pas le cas, on pourra toujours s'en charger. On aura juste à se salir un peu les mains. Ça serait pas la première fois, pas vrai? On est un peu pressé quand même. Mais souviens-toi, au moment crucial, t'as intérêt à faire le bon choix. T'inquiète. Bon, et maintenant qu'on a atteint la tour de garde, c'est quoi la prochaine étape, génie? Tu connais le coin, on dirait? Ok, je te suis. Ok. Donc... là, on a l'ordi. Et les compagnons en attente. Ouais, on va faire ça après. Alors, registre du bloc D. On cherche la cellule. La cellule. Il y en a beaucoup. Regarde alors, il n'y a pas son... Toi, j'ai rêvé ou... J'ai pas sa cellule. Ok. Tout ouvrir, mais... ça va. Alors. On a le problème de sécurité que les MS de respecter les procédures suivantes. Bon, on a peut-être libéré des trucs qu'il fallait pas, mais... unité pénitentiaire à risque qui... les détenus les plus dangereux et complexes... ouais... utiliser la cache dans la cellule... vas-y... on va faire ça... par contre j'ai pas le numéro de la cellule... D0206, c'est ça? Attends, parce que là, du coup, ma mission, elle a 25 embranchements. D0206, ok. Alors, il est où le bloc D? Et à un moment donné, il va falloir descendre. D0206. Ah mais on était là en fait, ok. Ok, quand je suis passé... ah non, je suis passé là moi, mais en fait la tour elle était juste ici. D02106, on a des numéros sur les... D03120. Donc 02 ça va être le niveau j'imagine.
te voilà. Sur qui il tire encore? Je tire un peu loin avec mon fusil à pompe, mais ça passe. Bon. Alors, on est arrivé tout en bas. C'est tellement le bordel sur ces maps. Enfin, les maps sont gigantesques. Pourquoi ils ont été obligés de mettre des araignées partout? T'as une idée? J'ai pris la structure, dommage. Tac, et on va le faire avec celui-là. Et bonsoir, qui Kronk et Avayana. Bonsoir à vous. Alors, on est censé aller où nous? Mon objectif, il est là-haut. Ok, j'en ai un là, d'accord. Bon pour ça. Ah bordel! Mais tu meurs toi! T'as vu qu'il y en avait trois? Ok, c'est cette. Oui, voilà, on a qu'à faire ça. Il a l'air plus efficace que nos mompettes. S'ils avaient mis des chatons, n'auraient pas voulu les buter. Mais c'est vrai. Mais si c'est un ordinateur. Ah merde. Bah. Je l'ai pas ouvert la D0206. Faut que j'aille à l'autre objectif avant. Attends. C'est sur la tour? J'ai raté un truc sur la tour? Probablement. Comment je retourne à la tour? Par là. Pas le temps. Il va bien y arriver mon acolyte là. Il y a un poste que j'ai pas déverrouillé apparemment. Si, mais il y a une console dans le coin pour ouvrir. Attention, spoil. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, mais c'est qu'il y avait trois registres. Et oui. Voilà. Ouvrir les cellules de la section 3 du bloc D. Section 3 du bloc D. Et donc on avait fait les 3. Donc on est bon. Là j'avais déverrouillé les 3. Et oui. Cet objectif là il est bon. Et on descend. Ok. Et ça il est vraiment en train de galérer toi là. Il est où? Revenez pas, idiot. Ah bah je suis d'accord. Nous on veut descendre. Je ne fais que monter. Tiens, on n'a pas été là. Oui, c'est ça. Ah merde, non. Pardon.
ne fait que monter. Comment je fais pour récupérer en bas là? J'ai tellement pas le sens de l'orientation, c'est vrai. L'objectif, il est là-bas. Voilà. Non, nécessite toujours un ordinateur. Ok, il y a un ordinateur dans le coin. Bon, ça y est, une bête. Un ordinateur dans le coin. Alors, attends. Est-ce que j'ai une indication ou pas? Pour l'impression. Mais il me laisse sur... Non, c'est pas le même objectif que tout à l'heure, ceci. Je comprends pas son délire au jeu, là. Ouvrez les cellules de la section 3 du bloc D. Bah ouais. Du coup, il veut que je remonte là-haut. Ok, a priori, il y a un truc là-bas en face, on va descendre. Alors moi, il veut que je passe par là. Ah yes, ok. Chercher des informations genre là, pas du tout. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas pourquoi j'ai eu un marqueur dans cette pièce là pendant un temps. Ouais, c'est quand même pas méga méga clair. Hein. J'ai toujours cet objectif là-bas en face. Ça c'est chercher des informations à la cellule de Krix. Ok, et ça c'est utiliser la cage à la cellule D0206. Allez, deux à faire. Bon, on va d'abord faire les trucs. Pousse-toi de là! Et je vais te tirer dessus. Elles sont moches, les bêtes. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie de la quête principale ou pas du tout? Et ou pas du tout. Non, c'est une mission de... C'est une mission de faction. Je pense que c'est là, comme tout à l'heure. C'est une mission de faction. C'est les... je suis en train d'infiltrer la flotte écarlate. Suite à une arrestation. Et j'ai toujours avec depuis un ordinateur. Donc ce que j'ai eu, c'était pas le bon truc. Censé trouver la même borne, j'imagine, de ce que j'ai trouvé, mais alors elle serait où? Ah, oh, je déteste les trucs comme ça. Quelle histoire, c'est dingue. Et deux fois. Il se met dans mon chemin, l'enfoiré. Où est-ce que tu veux que j'ouvre ça, moi? Parce que l'ordinateur, non. On va faire l'autre morceau. On ne sait pas. On va remonter par là. Ça fait deux fois que je remonte au même endroit. Bon. Faut que je fasse gaffe si je vois un ordinateur, mais je vois que dalle. Quand on est arrivé en haut, on est d'accord. Hein, on a juste ouvert la porte. Ah là. Bloc D, section 3, bouton d'ouverture. Donc en fait, il nous faudrait la même chose pour l'autre bloc. J'imagine. J'imagine. Alors. Et là-dedans, je suis censé trouver un truc. La base de cette lampe semble désolidarisée.
Oh! Je suis tombé sur un type dans le mess qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit. Je sais que c'est souvent des conneries, mais il semblait avoir pas mal de détails. Après avoir lancé la conversation, j'ai appris que le vaisseau est un transporteur de la Galbanque nommé Héritage, qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre. C'est exactement le coup que j'attendais. Je dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri. Il donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage. C'est là qu'on creusera. Pas vers le haut. Directement dans l'armurerie. Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou. Donc, va falloir parfaitement se coordonner. Pour l'instant, on continuera à utiliser son casier dans les douches comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation. D'ici un mois, je devrais être loin de ce caillou, en train de charger tous ces jolis crédits sur mon compte. Donc là, moi, je suis en train de donner un coup de main à Delgado pour trouver l'héritage. L'héritage de Krix. Mais en fait, l'héritage de Krix, c'est juste un vaisseau blindé de thunes. Ce qui est pas du tout ce que cherche Krix. Hein. Delgado. Delgado, il est carrément dans un délire un peu plus mystique. Bon, par contre, j'ai pas trouvé la clé pour ce truc-là. Clairement. Par contre, tu vois, dans le dédale, là, il y a des petits, lags. C'est en dessous. Les deux sont côte à côte. Alors, soit je vois pas. Soit j'ai pas vu la borne. Attends. Est-ce que j'ai été de ce côté-là? Ça, c'est que des. De toute façon, c'est que des cellules. Donc, en fait, le verrou peut pas être là. Et. Là, j'étais là. Tout à l'heure, c'est quoi ici? Ok. La colère des prisonniers pendant l'émeute. J'aurais pas aimé. Donc c'est pas là. On a dit c'est en dessous. C'est en dessous de ça. Attends, il y avait pas une option? Non. Donc faut que je passe là. Comme tout à l'heure. Ok. Alors là, il y a une pièce. Ah. Ok. Il est pas vif, Joe. Ok, ah, et ben... Désolé que ce truc dégueulasse. Je m'assois, d'accord. Le clic un peu trop un peu trop rapide. Il y a un petit Flow Skyrim quand même. Ah ben oui, coucou Blaine Vador. Alors est-ce que c'était bien? Pardon, je t'avais pas vu Blaine Vador. Est-ce que c'était bien? Ah mais non, non, non. J'imagine pas ce que ce doit être de pourrir ici. Le streamer est concentré à ce que je vois. Oui oui, à fond. Bah oui, parce qu'il y a quand même des bestioles partout et j'ai pas trop envie de. Puis j'essaie de looter de la thune là, mais Putain. Et au secours! On est arrivé. Donc, il y a des sous là. Merci. Ça, je l'ai looté. Ok. Ça, c'est pas le même par contre, ce truc là.
Alors, mon objectif, il était là-haut, de base. J'en ai un ici. J'ai tellement pas confiance. Ça va où ça? Ça va dehors? Ça va où? Ça va. On verra bien. Créateur, meilleur film que j'ai vu cette année pour le moment. J'en dirai pas plus. D'accord, c'est cool. Je vais aller le voir là, moi je pense, ce week-end. Il va leur falloir une semaine pour traverser la glace. Donc, c'est ton délai pour peaufiner ta part du plan. Quand le tunnel atteindra l'armurerie, mes hommes lanceront une émeute. Et quand t'entendras les feux d'artifice, tu fonces tout de suite aux navettes. On n'aura qu'une seule chance. Si on joue bien nos cartes, on sera plus près que jamais de la fortune qui a disparu avec l'héritage. Si tu dis quoi que ce soit, regarde. Tu sais ce qui se passera. Donc ça va servir à faire mon rapport au 6DEF, au 6DEC. T'as entendu ça? Non, cette prison commence à nous aider. J'ai les preuves au lieutenant Toft. Ok, c'est bon, on est bon. Donc on a les preuves qu'on veut. Ah, pourquoi il est verrouillé, lui? Ok, il y en a deux pareils, donc ça marchera pas. Donc, quoi qu'il y a dans le fond là, on sait pas. Allez dessus. Et ça, c'est tenue de prisonnier. Oh, vas-y. Ça rentre dans ma collection. Ouais, on va peut-être y... Ah, mais il y en a... Attends, il y en a trois. Une liaison à gauche extracteur. Quoi ? Combinaison de... Ah oui, Argos extracteur, c'est celle-là. Je m'en fous. Et elle est où l'autre ? De tenue de prisonnier. Oh, stylé. Ok. Je la rajoute à ma collection. Alors, où est-ce qu'on va? Je peux localiser la cage à la cellule et accéder au tunnel de Krix. Ouais. Là, il y a un bruit dégueulasse. Alors, pourquoi il m'affiche pas le chemin? C'est quoi ça? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un jetpack. Enfin, oui, un sac à dos. Là, on est vraiment dans la... Hein? C'est vraiment pas simple. Moi, c'est le truc que j'essaye de trouver depuis tout à l'heure. C'est nécessite un ordinateur que j'ai toujours pas trouvé. Là, c'était le quartier avec les douches et tout, donc il n'y a aucune chance qu'il y ait un ordinateur ici. Ça, c'est les douches, donc pas d'ordinateur. Là, c'est la cuisine. Ah, ça ressemble vaguement à un bureau, ça. Ok. Non. Moyen de quitter cet enfer. Ouais, je suis d'accord. Garde voyant tout rapport. Un des détenus nous a averti que quelqu'un volait de l'équipement dans une des salles. Et la pub qui tourne, ça a pas l'air incroyable ce film. Ah si, moi j'ai l'impression que ça va être cool. Qu'il manquait deux lasers de minage. Là, je me suis fait un petit sandwich au fromage pour suivre la fin du stream. Toutes les cellules ont été fouillées. Mais on n'a rien trouvé. Je comprends vraiment pas comment des détenus ont pu pénétrer dans cette salle de stockage et planquer ce matériel sans se faire voir des caméras. Je commence à les soupçonner de recevoir de l'aide de la part de membres du personnel. Ok. Donc les armes sans plus. Ah. Voilà. Il est là mon truc. Je pense. Puis il est toujours cassé.
La cellule, c'était là. Voilà. C'est quoi? C'est un assassin? Ouais, non, non, non. Merci, mais non. Ok. File un peu de matos, c'est sympa de leur part. Le 40 XPL, c'est celui-là, non? C'est celui-là, hein? Je sais plus comment... Ouais, c'est ça, 40 mm XPL. Ça, cette arme-là... C'est une dinguerie. Mais c'est un lance-grenade, en fait. Genre... Voilà, quoi. Ok. Allez, du coup, on va en face. Je vais faire un petit F5, tiens. C'est celle qui te donne sur Aquila pour quand tu fais la mission d'Aquila. Oups. Quand tu fais la mission d'Aquila, c'est celle qui te donne pour tuer les AFK. C'est, ça s'appelle un tueur d'AFK d'ailleurs. Ah, ça c'est niveau maître, j'ai pas. Par contre, le jeu est... c'est marrant parce que le jeu est assez généreux en soins, alors qu'au final, on s'en sort pas trop mal. Yep. Bah, vu le négociateur. Ouais. Après, je t'avouerai que, mine de rien, les armes que je traîne là. Des armes que j'ai depuis un petit moment, mais que je trouve archi efficaces. Mmh. Ça, c'est le tunnel qu'ils ont creusé. Ok, directement dans l'armurerie. C'était quoi ça, une armurerie? Il dirait qu'ils ont vidé les lieux. Il écoute rien à ce qu'on dit, hein. On a eu l'explication. Mais de toute façon, il va mourir. Lui. Je vais le tuer avant la fin de. Bah, qu'avons-nous là? Une petite seconde. Oh. Ok, c'est lui qui sert, d'accord. Voilà qui va nous être utile. C'est quoi son arme chelou là? Ok. Non. Bien, on continue d'avancer. Bon, une force de sécurité de l'UC, j'ai déjà. Ok. Ok, moi je prends tout ce qui passe, hein, je vous le dis. Putain, on n'a pas ça, ces meubles là, ce serait trop bien. Rien quoi. Il y a du monde derrière, ça, c'est, ils sont le jeu est en train de me mettre une pression de dingue en mode. Au fait, derrière la porte, il y a des monstres. Et, en fait, il y a une armurerie, mais ils ont tout pris. Le jeu me file du 40 ml, c'est cool. 40 XPL, je sais pas quoi. Alors, attends. C'est quoi? Au cas où! Déjà, sauvegarde, puis rechargement, puis on ouvre la porte. Ça touche. Oui, ça touche. Il y a tellement de trucs. Alors par contre ça, en proximité, ça va être les enfers. Les enfers. Oh! Wouah! Non mais pousse-toi, Joe! Reste pas là! Ok, ça va. Putain, je suis content de l'avoir vu, chien. C'est énorme ce machin là, dégueulasse. Ça, c'est un cul-de-sac. Là, on est passé là, apparemment.
Ah. Ok. Une flaque de gaz corrosif. Je me suis tellement fait avoir... Mais reste pas là-dedans. Oh, quel crétin. J'ai un soin. Non, c'est bon. Ok, il reste dans la flaque. Il a raison. Bah oui, il y a qu'à faire ça. Attends, c'est quoi ça? A priori, on peut ressortir, non, on est d'accord? T'avais eu lui? C'est tellement grand, je me suis paumé 4 fois en fait. Salut André! La sabre laser, c'est un Jedi. Une salle géante pleine de vide juste après. Qu'est-ce que ça peut bien être, Zeta? Ouais, fait de la V1. Ah, donc c'était une céphéide, un magnétar, des Canopus, la deuxième étoile la plus brillante de New Atlantis. Les filaments galactiques sont les structures les plus grandes de la galaxie. Et c'est un diagramme de Armstrong-Russell. Ok, ça me prend des trucs. Donc moi je ressors par là. A priori. Il m'a fait peur ce con. J'arrive pas à croire qu'on soit aux origines de la flotte. Ça a quand même vachement mal tourné le bordel hein. En prison là. Alors ce qui est bizarre. Merde, j'ai pris le side star. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas un seul. J'ai pas croisé des masses. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs. Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Il y a beaucoup de gardes morts. Un combat de boss? Ouais, mais on va se faire ça au tueur d'HK, ça va le faire. Il y a beaucoup de... Ah si, ça c'est un... Qu'est-ce que je donnerais pas pour du chômage? Ok, ça va. Et une bonne tasse bien chaude de chez Bog. Wow! Pourquoi si vite? Attends. Il est immune, Joe? Ouais. Il est une maman, non? Il y a forcément une maman. Mais pourquoi d'un coup il est arrivé si vite l'autre? Il m'a fait peur ce con. Sans déconner. Quelle violence. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. On peut arriver à faire un truc cool ou pas là? On n'arrivera pas à faire un truc cool, mais. Hier, on va faire à partir du premier. La photo est pas folle, mais ça donne une idée. Bégon jaune, bégon vert, c'est vrai. Non mais sans déconner. Au secours. Ils m'ont fait peur en plus, c'est con. Bon. Ça fait deux fois que je loot les couteaux. Je sais pas où j'en suis dans mon inventaire. Non, ça va. Wow, ok. Celle-là, elle fait. Il en faut un solo. Il n'y a aucune chance que ça marche. Pourquoi il me dit que ça marche? Ah si, là. Il me faut un.
Par contre, il m'a bien fait flipper. Hein. 3, celui-là. Est-ce qu'il y en a un qui se balade dans les faux plafonds? C'est surtout que moi, avec tous ces petits, il y a bien un moment donné, on va croiser la maman quand même. Tu vois? Il va bien y avoir un moyen de quitter cet enfer. Conducteur à part en rond, c'est quoi? Hein, c'est quoi un conducteur à part en rond? Ah, c'est du câble, ok. Ok, ok, ok. Bon, ben on continue. On est où? Je commence à avoir plus beaucoup de balles sur le. Sur le fusil à pompe, douche, machin, ok. Ok, ok. Tu le sens le moment. Oh là. Tu le sens le moment où la musique s'intensifie un peu. Enfin, l'ambiance s'intensifie un peu. Les vibrations aussi. C'est. Je te jure, ils vont me faire sursauter. Non, attends. J'ai... Fragmentation... Shrapnel, regardez. Ok. Tellement pas confiant. Le gars il te met dans l'ambiance en plus. Je parie que ces bestioles grouillent derrière les murs. Oui, bah merci, y'a qu'à dire ça. Ok. On dirait que c'était le bureau du directeur. Ils ont construit le bureau juste à côté des navettes. J'espère que t'as trouvé quelque chose parce que j'en ai mal claque de cet endroit. Alors. J'en sais trop rien. On dirait une sorte de poste de sécurité, un truc du genre. Bon, ça cogne. T'as trouvé quelque chose ou pas? J'en étais sûr. Tout le monde disait que j'étais dingue, mais j'étais persuadé qu'on trouverait des réponses ici-bas. On dirait que j'ai dégoté la bonne personne pour ce job. Eh, ça va pas? C'est des conneries, Delgado. J'ai vachement aidé. C'est Mathis. Dis-lui de la fermer. Je m'occuperai de lui plus tard. C'est ça, ouais. Bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le moyen de nous tirer de cette planète. Voyons voir. Ah, j'y suis. J'ai des plans du verrou sous les yeux. Et je crois pas qu'il y a un moyen de vous ramener à la surface d'où vous êtes. Mais je peux ouvrir les portes extérieures de la zone d'accès des navettes pour que vous puissiez en prendre une et remonter jusqu'à la clé. Ok. Bonne réponse, tu apprends vite. Ok, voyons voir. Un de ces trucs ouvre probablement la porte. Zone d'accès aux navettes activée. Lancement de la procédure de déchiffrage. Veuillez patienter. C'est bon. Ça va peut-être prendre un moment par contre. Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis près d'un siècle. T'as fait du bon boulot, Bleuzaï. Faudra qu'on cause quand on sera rentré sur la clé. Bah. Alors, par contre. Qu'est-ce que je vais dire? Je me pose. Oh! C'est. Je me pose la question. Alors, il y a plein de trucs, je vais regarder quand même. J'en parle après. Je me pose la question de quel est mon niveau de liberté? Quel est mon niveau de liberté par rapport à Mathis, par exemple? Par rapport à l'histoire.
Big Bang. Et ça, vous me l'aviez conseillé l'autre fois, mais j'ai pas été fan. Quel est mon niveau de liberté ? Là, typiquement, lui, il veut comploter contre Delgado et il veut le tuer. Si je le tue maintenant, la clé, c'est le nom du, c'est le nom d'un lieu qui cronque. Tu vas voir après. On va y aller après. Si je le tue maintenant, quel est le... non, on l'a refait. Est-ce que je peux le tuer maintenant ? C'est-à-dire sans passer... J'ai looté du poulet, on s'en fiche. Sans passer par l'histoire, si moi, de moi-même, je le tue en disant « Bah, il est mort, désolé. » Là, c'est que des messages. Ok. Après, j'aurais pas le 100% du bénéfice, c'est-à-dire que je pourrais pas... Comment ça s'appelle ? Delgado aura pas l'impression que j'ai été... comment on dit ? Que j'ai été... que j'ai été fidèle à son, à ses ordres, quoi. Parce qu'il sera pas témoin. Mais en attendant, moi, techniquement, si je considère que lui, il est dangereux contre Delgado, je peux déjà le faire, je pense. Mais je me pose la question, voilà, de mon... Celle-là, je peux pas y aller... Mon niveau de sécurité. Alors par contre, va falloir qu'on redescende. Pas de mon niveau de sécurité, mon niveau de liberté. On va y arriver. Tu veux vraiment la réponse ? Non, je la veux pas, Black Templar. Je la veux pas, mais ça fait partie des questions que je me pose en tant que joueur et personnage du coup. Je me dis bon. Non, doute. Il dit quoi le jeu ? Je lui dis rien, ok. Ah, il faut que je parle à Matisse, justement. Je suis con. Est-ce que je peux avoir la liberté de d'anticiper l'histoire, entre guillemets ? Ou de mettre l'histoire à ma sauce ? Pourquoi t'as menti à Delgado sur moi ? T'as pas fait ce boulot en solo, non ? Allez, quoi. Je cherchais juste à tirer profit de la situation pour nous deux. J'aurais pu te virer du deal, mais je l'ai pas fait, non ? Concernant cette idée de tuer Delgado et tout ça, on pourrait oublier tout ce que j'ai dit. Tu sais, comme si c'était jamais arrivé. Nope. Alors, soit dette envers moi, est-ce que je le trahis ? À la base, c'est lui le traître. Trahir un traître, c'est pas... Ah, tu veux la jouer comme ça, hein ? Très bien, je l'ai mérité après tout. Maintenant, on se tire de là. Vas-y, on fait ça. C'est la zone d'accès aux navettes. Mais ça s'ouvre quand tu parles aux gens. Alors ça, c'est un peu étrange, mais... Bon, niveau de confiance sur 20... Je suis à peu près à 0, hein, je vous le dis. Navette là-bas... Bon, tu t'en sors, Joey, ou pas ? Ouah ! Pardon, excusez-moi, je gueule fort. Pardon. Mais non. Ah, purée. Ah, faut pas le rater par contre. Ok, c'est lui qui tank. Alors le shrapnel c'était une bonne idée. Wouah. Tu m'étonnes qu'il m'a filé du matos. Oups. C'est barré ? Ok, c'est barré. Attendez. Oh, putain là. Ah, pardon. Merde, t'es moche.
Attends, on va éviter de se faire de mal. Au secours. Ah! Il m'a filé de l'acide, on est d'accord? Bon, à la fin, je gagne, hein, mais... Non, mauvais plan, j'en ai pour 4 heures. Comment je suis content d'avoir gardé cette arme sur moi. Je vais la mettre dans une armoire, à un moment donné, dites-vous. Ah, attendez, hop, non c'est bon, attends, j'ai un trait, j'ai combien de traits sur moi? Il y en a un autre? Attendez, attendez, j'ai entendu du bruit. Il y avait un autre, non c'est bon. Ouah, j'ai peur. Oh la grosse bête. La Mother Hall de bestiaire, c'est ça. Merci Blood Vador. Donc les Xenoblade qui veut du Xeno Omar. On peut pas faire une photo là. Attends. Ça se manipule normalement. Je peux le manipuler ou pas? Trop lourd pour être transporté. Ok. On va essayer de faire une photo quand même. La classe un peu ou pas? La classe un peu. Alors. Tac. Non, parce que bon. Et voilà quoi. Désolé pour mon voisin, j'ai gueulé un peu fort du coup. Attendez, on va faire un truc avant. Pas le manipuler lui et va ailleurs. Attends, viens par là. Tu veux pas partir? Tu veux pas aller ailleurs? Merci. Cache-toi de ma photo. Le chasseur et sa xénoproie base, c'est ça? Ouais, tant qu'à faire, tu vois. Faire un truc comme ça. Voilà. Pas mal ça. Je peux faire un mode couverture ou pas? Attends. Bon là ça sera pas dingue. On voit pas bien. Ah peut-être avec un... Non, attendez, on se fait plaisir 2 secondes. C'était là. Ouais, le ton un peu vert. Et... c'est où? C'est là. D'accord. Là ça me fait un noir et blanc, là je vais rien gagner. Là je gagne pas, après ça sature vraiment, donc c'est pas la peine. Ok, on est bien. On est bien. J'imagine le besoin d'HKR, mais qu'est-ce qu'il dit? Hein, quand t'as enfin buté les moustiques extra du matin, c'est ça. C'est tellement ça. Bon, ceci dit, la map est cool. Il y a des trucs sur la map là ou pas? Pas un peu de loot, non, rien. Ok. Je suis tellement content d'avoir eu le. On aurait tellement galéré si on n'avait pas eu le tueur d'HK.
Ça va être un enfer. La commande de la porte, tu permets d'ouvrir la porte. Ça va, c'est dans mes compétences. Ok, et l'usage de l'ouverture de porte? Ça c'est quoi, il y avait des crédits là? Pas du tout. Oh, on n'a pas regardé l'arme violette qu'on a lootée entre parenthèses. On a looté un truc. Et quoi? Il est pas là. Là. Mais c'est celui-là. La directive modifie calibré AA99. Et de quoi, poignée automatique. Paillet ergonomique, chargeur tactique, semi-automatique. Tu sais quoi, on va le mettre. Sur celui-là que j'utilise plus des masques là pour l'instant. Comme ça on pourra le tester. Comme ça on pourra le tester. Vas-y. Ok. On est censé pouvoir décoller nous là-dedans. Quoi l'idée? Mais si le verrou. Mais non, je veux. Attends. Non, on va sur la clé, je suis con, on va pas sur le verrou, on va sur la clé. En fait, le verrou, c'est la prison. Il n'y en a pas un qui est rentré dans le vaisseau, j'avoue. Le verrou, c'est la prison, et il y avait besoin, alors j'ai pas tout suivi dans l'histoire, mais il y avait une histoire qui avait besoin de la clé. En fait, ils avaient séparé deux trucs, t'avais la prison d'un côté et l'autre truc de l'autre, et c'était la clé. Donc là, nous, on retourne sur la clé. Qui a transformé cette navette carcérale en super destroyer classé pas plus tard qu'hier. Ah ouais? Allez. Par contre, du coup, il faudrait que j'aille au 6 deck pour pouvoir rendre les preuves que j'ai trouvées. Non, par contre, il n'y a pas de bouclier là-dessus, d'accord. Alors. Carrément beau. Une journée sans mourir, c'est déjà une victoire. Toi, tu vas bientôt mourir, tu le sais ou pas? Bonjour. Hop, je peux pas sortir. Où est-ce qu'on sort, là-bas? Yep. Bonsoir, Antoine, salut à toi. La clé, c'est la station orbitale de Lucie qui gère la prison. Voilà, merci Black Templar. Sauf que du coup maintenant elle est utilisée la station qui était au départ pour contrôler la fusée. Et une boîte vivante. Qui était avant utilisée pour contrôler la station, maintenant est devenue un repère de la flotte écarlate. Repère avec commerce et tout. J'ai envie de le tarder. C'est quoi cette planète gelée? On était sur Crix, Antoine. Ouais, en gros, c'est la ville des la flotte écarlate, parce que tu as en plus pas mal de... Enfin, tu as tous les marchands.
typiquement. La contrebande vaut tous les boulots du monde. Ben non, mais par contre, il y avait. Elle est où? C'est elle? T'es là pour améliorer ton vaisseau? Ouais, c'est elle, c'est pour les vaisseaux. Voilà, le dépôt, et je dois pouvoir avoir un marchand tactical gear. Je dois pouvoir lui vendre 2-3 trucs à lui. Aucun prix est trop élevé quand il s'agit. J'ai sûrement ce qu'il te faut. Alors, est-ce que je peux lui vendre dans les armes? Ça, c'est celui qu'on a looté. Et c'est à peu près tout, parce que le reste, je m'en sers... Ça c'est bon, ça je le garde, je voudrais pouvoir l'exposer, mais pour l'instant je peux pas. Combinaison, j'en ai fait ou pas du coup. J'ai pas ramassé. Tenue. Je la gardais. Choper plein de trucs. Alors attends. Les adhésifs je garde. On va faire un peu de place. On va faire un peu de place. Ça je garde. Ouais, tous ces trucs-là, je les dirai. Ça, je garde. Ok, et... C'est pas mal. Y'a rien. Y'a un burin. Surtout, voilà, looter un burin. Ok, on est pas mal. J'ai pas looté de sac, je crois pas. Ok, ça va. Fais gaffe à toi dehors. Ouais, t'inquiète. Où est-ce qu'on va? T'es à l'étage? Comment on monte à l'étage déjà? Je ne sais plus. Elle m'a fait visiter en plus. Là. Quand t'arrives au départ, ils te font visiter l'ensemble de la map. La flotte protège les siens. Mais retourne-toi contre nous et tu feras pas. Hop, et là il y a le chef là-haut. Donc Matisse, est-ce qu'on le vend ou pas? On va le vendre. Ah, te voilà. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Il était temps. J'étais sur le point de descendre pour dépouiller ton cadavre. Pas maintenant, Naeva. Alors, tu disais avoir trouvé quelque chose? Fais voir. Alors. Une tablette? C'est tout? Après avoir perdu autant d'hommes, il y a intérêt à ce que ce soit une carte avec un énorme X rouge dessus. Mmh. Eh ben merde alors. L'héritage faisait pas référence à la fortune de Krix? Oui, il y en a en train. Faut être montré après si tu veux, j'ai une base pour ça. J'ai trois bases pour ça. J'ai entendu parler d'un vaisseau de la Galbanque qui serait fait abattre. Et si jamais c'était arrivé, il se serait fait vider il y a bien longtemps. Non, Naeva, réfléchis. Si la Galbanque a étouffé l'affaire et qu'au fil du temps son emplacement a été oublié, personne n'a dû mettre la main dessus. Ok, ça change un peu la donne. Maintenant que nous savons ce que nous cherchons, va falloir restreindre le champ de recherche. Et l'enregistrement que tu as trouvé prouve qu'il nous attend quelque part. Il nous suffit de le localiser. Commençons par résumer ce que nous savons. C'était un vaisseau de la Galbanque, ce qui veut dire qu'elle a forcément un dossier sur sa disparition. Naeva, tu bossais pas sur un deal avec Rokoff? Une histoire de soirée caritative entre Richard à bord d'un vaisseau de croisière de Trident. T'es sérieux là? Ça fait 3 mois que je bosse sur ce coup. C'est mon casse. Je te montrerai en fin de stream, Antoine. Tu veux bien la stream finit à 23h30, on retournera vers la base en fin de stream. Ce vaisseau de croisière dispose d'une suite VIP de la Galbanque. Ce qui veut dire... Allez, Naeva, c'est pas compliqué. Ce qui veut dire qu'il y aura un haut responsable de la Galbanque à bord. On chope ses identifiants et on pourra fouiller les archives de la Galbanque sur New Atlantis. Oh, carrément? Putain de merde, ça pourrait marcher. J'envoie tout de suite un message à Rokoff. Fais tes valises, Bleuzaï. Tu pars en vacances. Prends cette arme, tu l'as bien méritée. Ça pourra toujours servir quand Rokoff fera tout foirer pour changer. Ouh. Alors, merci pour l'arme. Par contre...
Ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que tu vas faire. Neva et moi sommes trop connus pour déambuler sur le vaisseau de croisière. Si la sécurité de Trident nous repère, notre plan tombera à l'eau. J'ai besoin que tu montes à bord de ce vaisseau, que tu prennes contact avec Rokov, et que tu mettes la main sur ses identifiants. Eh ben allez, on fait ça. Par contre, du coup, on s'occupe pas du cas de Matisse. Tu sais quoi? Je te laisse en décider. Si tu penses qu'il a fait du bon travail, tu peux lui promettre qu'il sera payé. Mais s'il te barre la route, alors tu peux l'abattre. Ok, je gère comme je veux. T'as intérêt. Ah, et encore une chose. J'ai réfléchi à ce que t'as dit à propos de Matisse. Et j'ai décidé de le virer de la flotte. Franchement, ça m'étonne qu'il soit revenu de Suvorov en un seul morceau. Ok. Ouais, je comprends. Bon, c'est décidé. Ton prochain arrêt est le vaisseau de croisière de Rokov, la Sirène des Étoiles. Et n'oublie pas, Rokov ne doit rien savoir à propos de l'héritage de Krix. Pour l'instant, c'est entre nous. Allez, file. Hey, Bluzal, avant que tu partes, j'ai un mot à te dire. Retrouve-moi au Las Nova quand on aura fini avec Matisse. Tu ne devrais pas t'occuper de ton pactage. Ok. Si, bah bien sûr, il va falloir qu'on change de tenue, clairement. Alors qu'on change de tenue parce que on va aller en vacances, donc t-shirt, la plage, quoi. Mais par contre, j'allais voir Matisse. À mon avis, ça va quand même se finir avec une balle entre une balle dans la tête, mais je pourrais me tromper. À mon avis, ça va mal tourner avec Matisse. C'est ça ou pas? Hey, il faut que je te parle. À cause de toi, Delgado m'a viré de la flotte. Alors tu sais quoi? Je te conseille de monter rapidement ta propre flotte, parce que je vais venir te chercher. Ah, je vois. Tu te prends pour quelqu'un d'important. Maintenant que t'es dans les petits papiers de Delgado, tu vas me faire une fleur, c'est ça? Eh ben, tu sais quoi? Grâce à ta générosité, je vais me faire virer de la clé. Alors je te conseille de surveiller tes arrières. Je suis resté pour te conseiller de faire gaffe à partir de maintenant, parce que bientôt, je serai juste derrière toi, prêt à appuyer sur la détente. Maintenant, dégage de là. Tu vois, là... Bon, mon perso est pas... jamais drop, comme la flotte. Mon perso est pas revanchard, donc il va pas tirer. Mais le tir par anticipation, ça aurait du sens quand même. Pour éviter qu'il me revienne dessus à un moment donné dans l'histoire. C'est là-bas qu'on va. C'est pas là qu'on va. Tu vois, c'est la ville de la flotte écarlate, quoi. Vandel te voit en train de traîner. Te voilà. Bon, écoute, je prépare un gros coup avec ce connard de Rokov sur la Sirène des Étoiles depuis des mois. Et je vais certainement pas laisser un paquet de blé pareil me filer entre les doigts. Donc tu sais quoi? Tu vas finir le boulot pour moi. Au lieu de parcourir l'espace pour deux ou trois crédits, on a une cible bien plus grosse. Je suis sur le point de te le dire, alors boucle-la et écoute. Rokov m'a informé qu'un gala de charité de mes deux allait se dérouler à bord de la Sirène des Étoiles. Pendant la soirée, ils vont décerner un truc qui s'appelle le Trophée du Sauveur de la Terre, qui vaut des dizaines de milliers de crédits. Donc le plan est simple. Pendant que t'es sur la Sirène en train de récupérer les identifiants, je veux aussi que tu chopes ce trophée et que tu me le ramènes. Il va finir sur mes étagères, surtout. Pardon. Bah non, s'il te plaît. Non,
Il est simplement à bord pour séjourner dans la suite VIP de Galbank et profiter d'un voyage gratuit aux frais de la boîte. Je suis sûr qu'il fera aussi la fête avec les autres bourges friquées. Mais je te garantis qu'il n'en a rien à carrer du programme de l'événement. Ok. D'après les photos que j'ai vues, il est serti de 12 diamants bleus et recouvert d'une fine pellicule d'or. Si je le file à Jazz pour qu'elle le démonte, je pourrais le transformer en montagne de fric. Et en plus, ces éléments deviendront intraçables. Allez, on fait ça. Viens me voir si t'as des questions. Ah, par contre, ça valide pas la mission. Rokoff m'a informé qu'un gala de charité est pendant la soirée. Donc le plan. Alors. Très drôle, hilarant même. Tu devrais grimper sur le bar et raconter des blagues à toute l'assistance tant qu'il y est. Écoute, tu peux faire toutes les blagues et chercher toutes les excuses que tu veux. Mais si tu reviens pas avec ce trophée, je le déduirai de ta paye. Dans tous les cas, j'ai ma thune. Ta part dépendra de comment tu t'en sors. Pigé ? Ok. On va se servir d'elle, donc on va faire, on va le faire. Ok. Bon, arrête de discuter. Maintenant, tu montes à bord de la sirène et tu me rapportes mes trucs. Comment on m'appelle Bleu d'Aille ? Parce que c'est exactement ce que t'es. Un bleuet, un rookie, de la viande fraîche. Je suis sûr que t'as un vrai nom sous cet amas d'inexpérience. Mais honnêtement, tout le monde s'en fout. Alors habitue-toi à répondre à ce mot. Tant que t'auras pas pris du galon, tu seras de la bleusaille pour tout le monde dans la flotte. On discutera plus tard. Ok. T'essaies de commencer quelque chose ? Grosse ambiance. Besoin de quelque chose ? Les requins nous craignent trop. Donc il va falloir qu'on repasse par chez nous. Ça va peut-être être l'occasion de montrer la base du coup. La prod, et puis après on ira sur le bateau. Pas sur le bateau, sur le vaisseau. J'ai une sirène, c'est pas de ma faute. On va aller chercher le t-shirt de plage. On va essayer de trouver une tenue un peu cool pour aller sur la sirène, machin. Le croc de bog est pas mal quand t'aimes la piquette. Mais moi... Comme ça, je vais vider mon inventaire aussi, parce que mine de rien, 2-3 trucs en trop. J'espère que bog a un truc assez fort pour m'assommer. Alors, moi j'ai un truc pour t'assommer, mais je suis pas sûr que tu. Chaque fois, les PNJ disent des trucs chelous, je suis à la limite de leur répondre. Écoute toujours Delgado, sauf si tu veux passer sous la quille de la nuit. Par contre, je me retrouve avec le vaisseau pourri là. Ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange carrément pas même de me retrouver avec ce vaisseau là. Même pas ce qu'il y a dans l'inventaire, enfin c'est pas ouf. Pour récupérer notre vaisseau, donc faut que je passe par un avant-poste. Non, ça. Ouais, quoi que je peux. Non, je peux le faire sur ma base. Non, tout va bien, je peux le faire sur ma base. Ok. Je crois qu'on est là. On va sur la base. Pardon, excusez-moi. Alors, on va ici. Une croisière luxe, c'est plutôt guindé, c'est vrai. Bon, mais ta costume alors. Ah, si... ah oui, c'est un truc VIP machin. Ouais, t'as raison, Black Templar. Ouais, on va sortir le costume. J'ai un costume. Je sais que c'est foutre de ma gueule parce que j'ai une garde-robe complète, mais donc là, c'est pour Antoine. Là, je vais vite fait un petit switch. Du coup, là, on est sur ma base, Antoine. Hop, hop.
Et en fait, tu as tout un système d'extracteurs qui se posent sur zone de ressources. Donc ça, c'est une zone de ressources, tu vois, en couleur, par rapport au reste. Et ensuite, tu vas faire des liens vers des containers, hop, genre ici, par exemple. Alors des containers, il y en a beaucoup, hein, clairement, tu vois. Enfin, j'en ai mis beaucoup parce qu'il y a beaucoup de ressources. Donc container ici, je sais pas si c'est le mieux pour le montrer comme ça, mais on va faire ça comme ça. Du coup, oui, tu fais de l'extraction. Donc ça peut être du gaz, du minerai, des liquides. Puis tu les stockes et ensuite tu peux programmer. Enfin, tu peux programmer, tu mettre en place des. Donc ça, tu peux le faire sur plusieurs planètes d'un même système et sur plusieurs planètes de différents systèmes et ensuite des systèmes de. T'as une histoire de cargo. Tu fais des routes de transport. Tu vois, là il y a un transporteur qui arrive de chez moi, qui est là-bas. Qui arrive d'un autre système et qui va venir livrer du matos qui va arriver dans mes stocks. Et là, t'as des crafters. Alors, j'en ai mis qu'un pour l'instant. T'as des crafters. Ça, c'est un crafter simple. Et ça, c'est un crafter élaboré. Et donc, bah, c'est tout con, hein. Tu choisis ta recette. Voilà. Et il faut que tu lies ton crafter aux ressources de base. Donc, quand tu regardes. En mode construction, voilà. Ça c'est les liens. Donc un lien plein, c'est de l'électricité, et un lien pointillé, c'est des ressources. Sachant qu'il faut faire attention au sens de A vers B et pas de B vers A, par exemple, entre un container et un fabricateur. Et pour les coffres, il y a toute une, on va dire, il y a toute une technique. Cet objet-là sert dans les deux sens. Tu peux en mettre qu'un seul sur ta base, et en fait, c'est un dispatcher. Donc tu peux faire soit que tous les containers de ta base viennent dessus et comme ça tu peux récupérer le matos directement dans ton vaisseau, soit de mettre tous les producteurs vers le dispatcher et ensuite renvoyer vers les coffres, ce que moi j'ai fait, ce qui me permet en fait, plutôt que de m'occuper de où sont les containers, je m'occupe de vider mes inventaires là-dedans directement. Alors là, ces items-là, c'est normal parce qu'ils n'ont pas d'emplacement pour le stockage. C'est une ressource particulière qui se stocke nulle part. Mais hop, tu fais ça, je récupère toutes mes ressources et je stocke tout. Voilà, et ça va être automatiquement dispatché, tu vois. C'est déjà plus dans l'inventaire. Ça a été automatiquement dispatché dans les bons containers, puisque tu as des containers pour les matériaux non raffinés, entre guillemets, solides, liquides, gaz et les crafts. Là c'est tous les crafts. Et donc quand tu vois un container, en fait il y a un pack de containers derrière. Un crafter, il te fait de l'XP aussi. Oui. Bah oui, parce qu'il y en a qu'on met en place. Enfin, j'ai pas testé moi Black Templar. Mais j'avais. Alors non, je vais pas dire oui aussi catégoriquement. Je l'ai pas testé donc je sais pas. Mais il y a un mec qui expliquait qu'il avait réussi à faire une ferme à 2500 d'XP. C'est-à-dire qu'il faisait de l'XP naturellement, tu vois. J'ai pas testé, j'ai pas en fait je pour l'instant j'ai un seul crafter qui est fonctionnel parce que je cherchais déjà d'avoir quelque chose le plus efficient possible en stockage. Ce qui est du coup pas tout à fait le cas. Alors on peut dire que c'est frustrant un peu, mais il n'y a pas de trieur. Et tu vois là c'est les autres stockages. Il n'y a pas de trieur dans le jeu. C'est propre quand même. Ouais, c'est propre, sauf que juste, je parle de ma frustration par rapport à ce système-là. C'est que vu que tu peux pas trier les ressources, c'est une liste sans fin dont le jeu remplit les trous, sinon met à la suite de la liste. Mais typiquement, tu peux pas lui dire dans ce container-là, je veux de l'aluminium. Tu peux pas faire ça. En fait, moi, donc j'ai une chaîne de containers. Là, je l'ai montré ça. Hop. Faire ça comme ça. Là, il y a une chaîne de containers. Ça part d'en haut, d'accord? Premier étage, ça descend d'un cran. Hop. Deuxième étage et troisième étage. Bon, ça part dans l'autre sens, mais on s'en fout. Peu importe. Dans chaque container, il va mettre du matos dans l'ordre des containers qui sont liés. Donc ça veut dire que celle qui pousse, qui est tout le temps plein, c'est celui-là. Celui-là est tout le temps plein. Quel que soit le stockage que j'ai, le stock que j'ai au-dessus, celui-là sera toujours plein. Par contre, c'est une liste. Donc là, il avait ça. D'accord? J'en enlève un, il va pousser de ce qui est à gauche. Mais il ne déplace pas les ressources. C'est-à-dire que cet inventaire-là ne va pas bouger. Il va aller chercher un container qui peut
amener de la ressource. Tu vois? Donc en fait, en soi, tu peux pas stocker. Enfin, tu peux pas trier. Donc tous mes containers, c'est pour ça que j'ai mis des échelles, parce que j'ai besoin d'accéder à tous les niveaux. Tous mes containers sont multi-ressources. Et c'est le seul truc qui est méga frustrant. Combien de ressources différentes? Oh là, une tonne et demie, Antoine. Il y en a énormément. Celles-ci, c'est les moins nombreuses. Parce qu'il y a encore que... Non, il y a déjà pas mal de choses là-dedans. Non, c'est peut-être pas les moins nombreuses d'ailleurs, je te dis des bêtises. Ça, c'est les plus nombreuses, parce qu'après les gaz et les liquides, il y en a moins. Mais voilà, non, c'est une frustration, ça, c'est que il va remplir les coffres. Là, en fait, il les remplit au... Il y a un mouvement de stock. Le stock bouge, entre guillemets, à chaque tic de fabrication. C'est ce que j'ai compris, hein. À chaque tic de fabrication ou de livraison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une... interaction sur le coffre, d'accord, il va mettre les coffres à jour. Le principe, c'est que si je fais un trou là, c'est pas le stock qui se déplace, c'est la prochaine ressource qui arrive qui va atterrir là-dedans. Tu vois, moi j'aurais aimé que ce soit fluide en fait. Que par exemple, je dis, bah tiens, j'enlève tout sauf l'aluminium si je le fais là par exemple. Hop, voilà. Là, il va pas se déplacer. Donc mon truc se vide pas. Il va se vider, enfin il va se re-remplir uniquement si j'ai le fabricateur qui fait quelque chose. Et je crois qu'il est pas lié en ce moment. Je crois qu'il est pas lié. Soit la prochaine livraison. Tu vois, prochaine livraison, il va y avoir du stock qui va arriver dedans. Et le stock qui va arriver, plutôt que de s'empiler là, il va s'empiler là. C'est ça qui est con, en fait. C'est pas un problème, ça, par contre, ils vont l'améliorer ou pas. Je sais pas à qui conque. Moi, je trouve ça méga frustrant. Mais je ne sais pas. Donc là, tu vois, je suis à 3% de stockage. Pardon, c'est le bon, c'est celui-là. Tu vois les 3% à gauche, là. Là, il y a de la ressource qui arrive. Alors, il y avait une petite tempo entre le moment où il atterrit et le moment où il met dans l'inventaire. Tu vas faire un container de cuivre seulement et un autre que de fer. Alors, non, tu peux pas. Et surtout, les minerais, ça se présente comment? Tiens, tu vois, voilà. Et donc là, ce qui est arrivé, c'est du cuivre, un peu d'aluminium et du matériau structurel. Donc, il a toujours pas rempli à fond. Parce qu'il y a très peu de matériaux qui est arrivé, donc il a rempli un tout petit peu le coffre. C'est le seul truc qui est dommage. À quoi ça ressemble? Ça ressemble, bah, dans ton inventaire, ça ressemble à ça. Source. Ça ressemble à ça. Et ça a la même allure si tu le jettes. Donc là, si je le jette... J'ai mes deux aluminium, tungstène. Hop. Et hop. Et là, moi, du coup, plutôt que d'avoir accédé à tous les coffres qu'il y a sur la map, plutôt que de chercher à accéder à tous les coffres qu'il y a sur la map et à dire, bah, tiens, ça va là, je me prends pas la tête, c'est lui qui trie, en fait. Je balance mes ressources. Alors là, il faut plusieurs tours, mais tu vas voir que, hop, elles sont déjà plus là. Elles ont déjà été transférées. Ça, c'est instantané. Hop. Hop. On met tout. Voilà. Et donc, elles sont retransférées là-bas. En fait, le principe, c'est que le coffre... Le trieur, il est connecté aux 4 types de coffres. Tu vois, ça, c'est les 4 connexions. Pour les 4 coffres qui sont là. Les 4 types de ressources, pardon. Et donc, forcément, il va dispatcher au bon endroit. Et ensuite, bon, il y a un système de boucle pour que là, j'ai... En fait, j'ai un indicateur, c'est-à-dire que... Il commence par remplir celui-là là-haut. Celui-là là-haut, il est connecté à toute la chaîne qui est là-bas. Donc il va remplir le dernier qui a de la place. Le dernier, enfin le premier coffre qui a de la place, entre guillemets. Voilà, et ensuite ça revient ici. Du coup, moi, j'ai le bout de la chaîne qui est ici, et j'ai le début de la chaîne qui est là-haut, ce qui me permet de voir que ma chaîne n'est pas pleine. Si je vois que ce truc est vert, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de place dans le truc là-bas. Voilà. Est-ce qu'on va chercher un t-shirt ? Oui, non, si, juste un truc, ouais. Ça, en fait, j'ai essayé... Je monte vite fait, j'ai essayé de trouver une technique, mais pour l'instant, ça marche pas, parce qu'il faut que je réfléchisse, mais dans les décos... Hop, on y arrivait. Ici, voilà. Ces coffres-là, qui contiennent 10 kilos, comptent un gros container, je crois, c'est 700. 500 ou 700. Ça contient 10 kilos. Et en fait, j'ai essayé...
de réfléchir. Alors, je vais prendre le petit parce que le premier se connecte pas. Hop. Essayez de réfléchir. Je vais faire ça comme ça. Alors, un système de transfert dans des petits containers pour faire des petites portions, tu vois. Et essayer de voir si avec ça je peux faire quelque chose. Pour l'instant, j'arrive à rien. Ça se passe comment l'oxygène? T'as un casque. Sauf les planètes respirables. Et tu vois, là, hop, je me suis posé la question, en fait, j'ai cherché à voir. Donc là, j'ai 10 kilos. Uniquement 10 kilos. Alors je sais pas comment ça marche. Enfin, je sais pas comment trop ça marche parce qu'il pose un peu plus parfois. Là j'ai 10 kilos, des fois il y a 12. Mais bon bref, j'ai 10 kilos de matériaux qui sont arrivés dans le coffre. Tu vois? Et je me suis dit, bah tiens, si je fais un système de division, je peux peut-être arriver à un moment donné à séparer les ressources. Genre ce coffre-là, qui... Hop, j'aurais dû faire autrement, mais... Pardon. On va faire ça comme ça. Voilà. Comment ça? Je suis où, là? Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Hop. Celle-là, je vais la virer. Détruite. Voilà. J'ai été détruite. Et là, il est censé dispatcher ce qui arrive là. Donc, 10 kilos. Il est censé le dispatcher là. Tu vois? Et je me suis dit, peut-être que j'aurai une solution pour faire des trucs. Mais en fait, ça marche pas. Tu comprends ce que je veux faire, quiconque? Mais pour l'instant, ce que j'ai essayé marche pas. J'ai essayé différentes configs. J'ai essayé aussi la config comme ça, là. Tac. Mais ça, le problème, c'est que ça marche. Avec les petites ressources, ça marche. Tu vois? J'arrive à faire des petites sections. Là, j'ai 16 de cuivre par section. Enfin, par coffre. Mais quand t'es sur, quand tu tombes sur un gros gisement, genre 150 d'aluminium, et ben en fait, tous tes coffres sont remplis de 10 d'aluminium. Enfin, 20 d'aluminium, parce que c'est... Non, 10 d'aluminium, mais ça fait 20 pièces au lieu de 16. Enfin bon, bref, peu importe. Après, si ça marche avec les petits coffres, ça marchera avec les gros. Ouais, sauf que la question, c'est la portion. Mon idée, c'était la portion, en fait. Tu vois? Parce qu'après ça, je le réinjecte dans le circuit en petites portions pour essayer de combler les trous, les bons trous. Mais pour l'instant, ça marche pas. Bref, je vais virer tous ces coffres-là. Puis on va quand même aller chercher un costume. Hein. On va quand même aller voir. Ça va teaser à mort l'épisode de samedi, du coup. Puisque je serai de retour sur Starfield samedi. Hop. Ah non, bah elles sont retournées directement dans le coffre, dans les inventaires, tout va bien. Hop, pardon. Voilà. C'est PvE permanent ou PvP permanent? Il y a pas de... C'est pas multijoueur, Antoine. C'est 100% PvE. Il y a pas de multijoueur. C'est un jeu totalement solo, pardon. Descends, s'il te plaît, fais un effort. Surtout savoir comment le jeu trie les items. Bah en fait il est c'est le cut, ouais c'est ça. C'est exactement ça, Kronk. Ce que j'essaye de comprendre là, c'est le cut des ressources. Quand il tombe sur un stack de 50, c'est facile, il va mettre 10 par coffre. Si tu fais une étoile, tu vois. S'il tombe sur 25, comment il répartit? Est-ce qu'il met 5 par coffre, etc. Et donc du coup c'est ça que je suis en train de chercher. Alors, on va se changer pour aller sur la sirène pour la fin de la soirée. Alors, j'ai soit le costume archi hype, le business ajusté. Il est où? Attends. Ah, non. Là. Soit j'ai ça, qui est assez classe, sans être, tu vois. Ça non, tout ça non.
Et j'en ai une autre, sinon je prends la... Ah, je vais prendre celle de capitaine, ça fait classe ou pas? Est-ce qu'on fait VIP ou capitaine? Ouais, dans celle-là, c'est clairement 3 billets, c'est Neo City, ça. Donc, soit je prends ça... Il y a aussi des stats, hein, sur les... Soit je prends ça, je vais prendre la tenue de capitaine, c'est quoi? Au pied, c'est sur PC... Les modeurs vont s'en occuper, ouais, carrément. Comme stream de danse de Néon, je l'ai pas. Non, pas de multi. Pas de multi. Si, les modeurs, ouais. Ok. Donc du coup, je vais prendre la tenue de... Hop là, allez, on fait ça comme un sauvage. Hop là. Tenue de capitaine. Tenue de capitaine. Ah, tenue de capitaine. Ah, c'est moins habillé. Hein. Ah, vas-y, allez, on sort le truc VIP. Oups, j'ai raté. En fait, je comprends pas qu'ils aient pas mis une rambarde sur ce truc-là. Il n'y a pas de rambarde dispo dans le jeu, donc je ne comprends pas. Bref, alors... Tenue de... Elle est où? Tenue business et... Costume business ajusté. C'est ça. Tenue. Hop. Tenue business ajustée. Ah, il faut que je dépose le truc de prisonnier. C'est vraiment pour le côté fun RP. Hein, parce que du coup, en soi... Il y a moins de stats, je pense, dessus. 9-19. Oh, c'est pas si mal. Allez, on va voir la sirène à quoi ça ressemble. Avant d'arrêter le stream, parce que je vais pas tarder à m'arrêter. J'ai juste fait une sauvegarde, là. Donc non, moi, le système de craft et stockage... Avec plaisir, Antoine. Et dis-toi que là, en fait, t'as vu une base, mais techniquement, j'en ai trois dans ce système-là qui produisent différentes ressources, plus deux dans un autre système, qui sont toutes transportées via cargo. Mes cargos qui font la navette. Hop, je vais changer de vaisseau. Quoi, ça c'en est un de cargo. Lui c'est l'intersystème. C'est celui qui va le plus loin, celui-là. Il a besoin de carburant, l'autre n'en a pas besoin. Hop, mon vaisseau. Voir et modifier. Voilà. Et du coup, avec plaisir. Juste voir à quoi ça ressemble. Parce qu'on fera ça, samedi soir. On va juste aller voir à quoi ça ressemble. Eh, bonjour. Alors, du coup, tu récupères les... Ouais. Combien il y a de systèmes solaires? Alors, le système solaire, je sais pas. Mais ils annoncent 1000 planètes. Le teasing depuis le début, c'est 1000 planètes. Enfin, les infos. C'est 1000 planètes. Après, en soi, les systèmes sont assez chargés en planètes. Il y a beaucoup de lunes, notamment. Donc, je sais pas comment ça fait le système. Nous sommes en orbite. Ok. Tac. Et on retourne. La mission, elle était... Ouais. Oh, c'est sur le système solaire. Là, c'est dans le système solaire. Dans la... C'est dans la... Ah. Oh. Je sais pas si je vais y arriver. Dans l'orbite de Mars. Je peux aller là, moi? Attendez, je l'ai raté. Je vais faire ça comment? Voilà. Attends, ça c'est quoi? Non, c'est le vigilance, ça. Ben non, c'est pas la bonne quête, attendez. Ah si, c'est ça. Faites votre rapport de production sur le, de progression sur le vigilance. Ok. Alors du coup, il est où le... Ah, faut passer par ça d'abord. Je dois faire part des informations que j'ai rassemblées à bord de la clé. Oh.
Commandant Ikande, il attend sûrement avec impatience. Ok, bah vas-y, go pour le débrief. Go pour le débrief au capitaine Ikande. Commandant. Général. Je sais pas. Et à mon avis, il a un grand grade. Vous allez voir. Comment on dit, un des QG du 6 deck. Ça comme ça. Pas le temps. Après Jupiter, je sais pas si on peut y aller. Pourquoi pas. Imaginez ce que nous sommes dit seuls. Nous sommes arrivés, hop. Capitaine. Bon, du coup, genre l'air con avec ma tenue là. Nous sommes amarrés. Devant Ikande. Pas prendre de risque. Je voudrais pas avoir l'air. Je voudrais pas avoir l'air stupide. Soit il va me filer une tenue en plus. Votre façon de gérer les choses. Du coup, pendant qu'on va le voir. On peut pas se poser sur une gazeuse, yes. Maintenant qu'on va le voir, je vais rappeler quand même que je stream tous les soirs. Comment ça? Ah, mais oui, forcément. Qu'il est con. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Tous les soirs, de 21h15 jusqu'à 23h30, sauf le lundi. No Man's Sky, c'est le mardi, vendredi et dimanche. Starfield, le jeudi et le samedi. Et le mercredi, c'est Découverte, un jeu différent chaque semaine. Hier, on était sur The Room 4, qui était juste... trop bien. Oui. Quoi? On fait quoi ces bêtes? On explore ces gaz. Alors sur les gazeuses, on peut rien faire. On peut pas rentrer dans l'atmosphère. Donc on ne peut rien faire, me semble-t-il, dans les gazeuses. Jusqu'en enfer. Vos actions ont mis en danger la réussite de cette opération. Encore un écart, et je crains qu'ils ne finissent par tout annuler. Ouais, c'est ça. Je fais le PGM un peu, j'arrive en mode... mode je me la pète un peu quand même. Vous avez abordé la clé? J'imagine pas dans quel état les pirates l'ont laissé. Vous revoilà? Alors, racontez-moi. Ça s'est très bien passé. Alors ça avance. Parfait. Bien joué. J'étais sûr de pouvoir duper Delgado, mais Naeva, c'est une autre affaire, elle est maligne. Ça va être plus difficile de la doubler. C'est pour vous ça. Vous avez découvert quelque chose d'utile? Alors, l'épreuve. L'héritage. Étrangement, ça me dit quelque chose. Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que Delgado aurait localisé l'héritage de Krix? J'imagine que c'est possible, monsieur. Nous avons récemment intercepté une conversation à ce sujet. Nous pensions qu'il s'agissait d'une histoire invraisemblable pour attirer de nouvelles recrues. Alors, découvrons si Delgado poursuit une chimère, ou s'il est plus malin que nous le pensons. Voyons un peu ce que nous avons là. Non, aucune trace d'un vaisseau de la Galbank du nom d'héritage dans la base de données. Delgado vous manipule. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'il n'y a aucune trace, parce que la Galbank cache quelque chose. Delgado n'est pas fou. S'il a risqué sa vie pour cette information, c'est que c'est du concret. Nous devons le prendre au sérieux. Que comptez-vous faire? Alors... yes. Malin, ce Delgado. Très malin. Si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. Nous ne pouvons pas laisser Delgado mettre la main sur ce qui pourrait être la plus grosse prise financière de la flotte écarlate. Je devrais peut-être me rendre à New Atlantis? Je pourrais contraindre l'exécutif de la Galbank à parler, histoire de prendre de l'avance. Non. Laissons les choses suivre leur cours. Notre agent nous informe. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Il ne s'agit pas uniquement de trouver l'emplacement du vaisseau. Jasper Krix était malin. Et s'il n'y est jamais parvenu, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et mettre Naeva Mora à sa place.
ou Shinyavos, ou encore un des nombreux pirates qui se battent déjà pour avoir la place? Non. La solution, c'est de poursuivre l'opération d'infiltration et de déterminer à quel point cette menace est réelle. Ok. Oui, c'est impératif. Si la flotte écarlate mettait la main sur un vaisseau plein d'argent, ce serait désastreux pour les systèmes occupés. Vous devez faire tout votre possible pour trouver des informations. Et par pitié, ne tuez personne à bord de cette croisière. Vous pouvez partir. On va essayer. Voilà. Et ben on a fait le job, on a récupéré un point de compétence. Il paraît que la flotte vous... On a récupéré un point de compétence, je me rappelle. Alors je verrai où je le mets, mais j'ai mis énormément de points dans la construction de base puisque je travaillais dessus. Maintenant je vais probablement... alors attends, c'était celui-là. Là j'étais... Voilà. Construction de modules d'avant-poste demande désormais 50% de ressources en moins. Ça je m'en fous parce que les ressources c'est pas un problème. Ça c'est quoi? Projets spéciaux. Vous pouvez mener des projets expérimentaux dans un laboratoire de recherche. Niveau de la construction? Non. Je crois pas. Vision aneuronique. Sélectionne l'orientation précisément les réacteurs. Ouais. Et ça. Donc ça, c'est les trucs à avancer. Pour l'instant. Augmente de 12 le nombre maximum d'avant-postes et augmente de 16 le nombre maximum d'avant-postes qui me permet d'en faire des tonnes. Par contre, on est sur juste les climats extrêmes, donc on va faire une pause dans le leveling de ça et probablement que je mettrai un petit peu soit en combat, soit en vaisseau pour pouvoir commencer à progresser un peu parce que mine de rien, j'en ai pas mis. Et ça risque de commencer à manquer, voire même l'argent maximal. Il n'y avait pas un truc... Ouais, je regarderai puis je vous dirai ce que j'ai pris. Et je pense que peut-être le physique, ça peut être pas mal parce que l'endurance c'est compliqué. Ah, j'ai 2 points en manipulation. Ah, attends. Vous pouvez contraindre un PNJ ciblé de maximum 10 niveaux de plus pour vous obéir à vos ordres dans une durée limitée. D'accord. Ok. Bon, je vais regarder. Je vais regarder dans le détail. Où je mets mes points, mais il faut que je positionne un peu. Je ne le mettrai pas en science parce qu'on a pas mal avancé. Mais par contre, je vais en avoir besoin ailleurs. Alors, on va augmenter 10% le niveau. Les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Ok, bon, je vais regarder. Du coup, on voit chasser des fantômes sur Suvorov. Déjà qu'un pirate, c'est flippant. Si les morts continuent de s'accumuler. On va avoir du mal à tout expliquer. Je vais donc m'arrêter là pour ce soir. On va finir avec une jolie image. Je vais aller me caler sur une de mes planètes base avec des arbres pour changer un peu. Pour l'instant, un peu cher à mon goût, 70€. Ouais, c'est le jeu d'un jeu qui c'est le prix d'un jeu en AAA qui sort aujourd'hui. Mais j'entends. Et moi, je l'ai Game Pass et Steam, mais la version Steam m'a été offerte et le Game Pass, bah vous savez comment ça marche. La version Steam m'a été offerte parce que YouTube, parce que YouTubeur. Et la version Game Pass, vous payez votre abonnement Game Pass et le jeu est gratuit ou inclus dans l'abonnement. Donc voilà, mais j'entends que le 70 ça peut être cher. Il va forcément baisser en prix à un moment donné. Il va forcément être. Il va forcément C'est un plaisir de vous voir. Se trouver en solde à un moment donné. Et Instant Gaming pour les joueurs PC. Instant Gaming, en général les prix sont pas mal. On doit pouvoir le choper. Je pense sur Instant Gaming, on le trouve à 45. Hop. Et comme ça, on finit la soirée sur une autre planète. De ma... De. Hop. Elle est où? Où? Si, on finit sur Paradiso. Je sais plus où elle est. Donc on finit pas sur Paradiso. Si, Porima. C'est celle-là ou pas? C'est celle-là ou pas? Pas celle-là. C'était où Paradiso? Quelqu'un se souvient? Là? C'était pas là. Oh, je ne sais plus. Du coup, ça va être une de mes bases que je connais bien. Ah, quoi que c'est quoi ça? Peut-être celle-là? C'est quoi ça? Forêt de conifères sur Phobos. Allez, je vous emmène. Non, forêt de conifères, j'ai dit.
Mais non, j'étais sur Phobos. Et ça, c'est quoi? C'est de l'eau. J'y arrive? Peut-être. Je sais pas si j'y arrive. Là, c'est des cratères. Ah merde, alors comment j'ai fait pour trouver des conifères? Ah, mais parce qu'on était près de la neige. Oui, vas-y. On se pose. Juste pour voir. Tout est dans la description. Pour IMA 2, merci, trop tard. J'en fais partie pour l'achat de Xbox? Oh oui. Surtout par rapport à leur dialogue, je ne m'attendais pas. Ça comme jeu. Ah oui? Donc, je m'arrête là pour ce soir. Mais je vous rappelle que je stream tous les soirs. Je vous l'ai déjà dit. Et que dans la description du stream, vous avez tous les liens utiles. Notamment le Discord de la communauté francophone No Man's Sky, le nmsrfrance.fr, le site de la communauté francophone pour avoir toutes les infos en français. Et mon Twitter, j'espère qu'elle n'est pas au level, que je vais pas me faire bouffer en sortant. Et mon Twitter pour les screenshots, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gens. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. On se retrouve. Regarde, petite planète toute mignonne. Il n'y a pas de crabe bleu sur celle-ci. On est bon? Et oui, on est bon. Hop. Très bonne fin de soirée à vous, très bonne nuit. Hop, j'y arrive. Peut-être. Hop. Hop. Pas du tout. Mais pas du tout. Et à demain. Demain, on est sur No Man's Sky. Très bonne fin de soirée à vous. Ciao, ciao. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Allez, y a rien à faire. Y a rien à faire, ça a quand même de la gueule. Ciao, ciao.